Il est parfois nécessaire de faire des pages sans menu et sans système de navigation, comme par exemple pour les landing pages ou les pages de récupération d'email. Dans ce cas, vous devez démarrer avec une page blanche. Vous allez sur votre tableau de bord, vous allez sur Page et vous ajoutez une page. Vous nommez votre page. Et sur la droite, vous allez sélectionner le modèle en blank page. Et vous utilisez le constructeur Divi pour démarrer. Vous utilisez la construction à partir de zéro. Puis vous créez une section et vous intégrez du texte. Vous avez plusieurs représentations de votre page, soit en PC, soit directement avec les modules. Dans les modules, vous allez pouvoir changer les paramètres, par exemple mettre plusieurs colonnes dans la ligne, du texte à gauche, un système de récupération d'emails sur la droite. Vous pourrez paramétrer ces éléments un petit peu plus tard. Vous positionnez une autre section de plein écran pour pouvoir faire une barre en bas de la page. Vous allez changer le fond pour le mettre en noir. Et vous allez pouvoir changer le fond de la section d'en haut en choisissant une couleur ou en intégrant une photo. Une fois que c'est fait, pensez à enregistrer le brouillon. Vous pouvez aller voir le résultat en cliquant sur l'icône PC. Vous allez pouvoir changer les éléments à l'intérieur, comme par exemple mettre un titre en H1. Changer le texte. Changer le fond. Mettre des marges. Changer les éléments. Mettre un fond sur le opt-in. Vous pourrez visualiser un petit peu le résultat sur votre portable en cliquant sur l'icône portable. Vous prenez tous les éléments qui sont dans votre page et vous essayez de les ajuster à votre besoin. Ensuite, n'oubliez pas d'enregistrer votre brouillon et éventuellement de le publier quand vous avez terminé. Voilà, c'était un petit tutoriel pour savoir comment créer une page à partir d'une page blanche. Retrouvez le lien d'affiliation de Divi dans la description de la vidéo et le lien de l'article dans mon répondeur automatique. Abonnez-vous à la chaîne et suivez la playlist Divi pour en savoir plus.